1, 2, 3, 4. Bonjour, aujourd'hui dans les vidéos du cyber, nous allons vous parler de la culture geek. Car oui, le geek n'est pas une mode ou un phénomène, mais relève bien d'une culture à part entière. Une culture avec ses codes, ses règles, son langage et même ses langages. D'ailleurs, et à partir de ce point, pour une meilleure compréhension de tous, le reste de cette vidéo sera intégralement sous-titré. Pour commencer, il ne faut pas confondre le geek, le nerd et le no-life. Un geek est avant tout un passionné. Le geek n'est pas nécessairement lié à l'informatique, mais à une passion immodérée pour un sujet. La musique, le vintage, les hipsters, par exemple. Parmi les geeks, vous pourrez retrouver des otaku. T'as fini de faire l'as pour le Fairytale 133? Ouais, c'est bon, il me reste plus qu'à le donner pour qu'il fasse l'adapt check, le time et l'edit. Et l'enco, elle sera en 480 ou en 720? Les deux, mais on va aussi le faire en 1080 comme c'est du Blu-ray. Et c'est toi qui veux upper tout ça? T'es fou, je vais faire pleurer ma bande passante. Des gamers. Son code, il bug plus. Bah non, j'ai overclocké le pros et boosté la RAM. Et j'ai remplacé le V8 par un V10. Ça venait pas d'interloquer sur ton firewall? Bah non, sinon j'aurais pas pu faire de LAN. Des crackers. J'ai monté 3 VPN avec le district backtrack pour changer l'adresse mail de mon PC. Ensuite, avec une ligne de commande, aerodump-ng-0, bah j'ai lancé une attaque brute force au cul du voisin. Ah ouais, pourquoi faire? Pour DDoS, le site de FBI à partir de son lycée. Ah ouais, GG. Ou des serial addicts. T'as vu le dernier TBBT? Ah, laisse tomber. Soit je tombais sur un fake, soit sur du raw, et le seul VostFR que j'ai chopé, je me suis ramassé un trojan. Et tu as DL comment? En PDP ou en mindframe? En PDP. Oh, le noob. Non, ça va, je suis juste un newbie. Aujourd'hui, le geek est chic. Il est même servi à toutes les sauces. Paradoxalement, se faire traiter de nerd est limite insultant. Alors qu'un no-life n'est pas incompatible avec un geek. Un no-life n'a pas de vie sociale, ne sort jamais et ne connaît personne IRL. On pourrait vous parler des mèmes, d'Eric Rowling, des lolcats, des epic fails, des trollface, mais après tout, Google est ton ami.